Merci d'avoir, accepté notre invitation, Gérard Depardieu. Non, pas de. Depardieu, Youri Depardieu. Nouveau passeport, nouveau nom, nouvel accent. Alors, Youri Depardieu, donc, on a été quand même très surpris de recevoir un appel de votre entourage qui nous disait que vous teniez à venir en personne sur ce plateau pour nous livrer un scoop vous concernant. Je voulais passer dans... importante émission française pour annoncer à tout le pays, toute la nation, que j'ai dessoulé depuis hier. Vous avez dessoulé. Et en quoi c'est un scoop le fait que vous ne soyez plus ivre? Parce que j'étais bourré depuis mars 2003. Beaucoup d'alcool dans le corps, et corps beaucoup capacité, et jamais dessoulé. Mais hier matin, nouvel accident de scooter sur la place Rouge à Moscou. Scooter glissé jusque dans la Volga. Eau très froide, moins 6 degrés. Brrr. Zizi rentré dans la coquille et complètement dessoulé. C'est comme si j'avais fait coma éthylique qui aurait duré 10 ans. Je me rendais compte de rien. Et quelqu'un m'a dit que pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de conneries. Alors, on pourrait vous raconter, mais ça veut dire que votre perception de Poutine, vous allez nous le dire là aujourd'hui, votre perception de Poutine a changé. Poutine, quand j'avais un coup là-dedans, je trouvais très beau, très gentil. Mais quand j'ai dessoulé, je l'ai trouvé très méchant, très moche, très goulag. Maintenant, fini l'alcool, je me suis mis tisane pour faire beaucoup pipi et éliminer conneries. Vous êtes en train de nous dire que depuis 10 ans, vous avez agi sans vraiment avoir conscience de vos actes. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. J'étais bourré. Qu'est-ce que j'ai fait? Plein de choses. Je ne sais pas par où commencer, mais par exemple, vous avez fréquenté Fidel Castro, un autre dictateur. C'est qui, lui? Fidel Castro, c'est un type pas très sympathique, qui fume toujours le cigare. Un type méchant avec un cigare? Oui, je sais. Ça, c'est José Dayan. Non. Non. Non, José Dayan, c'est une réalisatrice, une femme. José Dayan, c'est une femme? Ça, il faut que je le note parce que j'avais complètement oublié. Alors, je vais noter. José Dayan fait pipi assis. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme connerie? Vous avez, par exemple, voulu quitter la France pour payer moins d'impôts. Non, mais ça, c'est pas une connerie. En tout cas, il y a eu une polémique à propos de cet exil fiscal. Vous avez quand même choisi la Belgique. Belgique? Ça, grosse connerie! Pourquoi Belgique? Pays plat, ciel triste, blague pas drôle, Jean-Claude Van Damme, connerie. Un petit tisane pour éliminer connerie. Vous avez même acheté une maison en Belgique. Jolie maison. Non, je vous laisse la découvrir, voici la photo. Moi j'ai acheté cette merde. Voilà la connerie, on dirait goulag. Voir tisane pour éliminer connerie, ça fait beaucoup connerie, il y a connerie encore. Vous avez aussi apporté votre soutien à Nicolas Sarkozy lors d'un meeting. Oh là là, connerie, mais peut-être ça c'était pour coucher avec sa femme. Non. Vous vous souvenez quand même que Nicolas Sarkozy, enfin quand même vous devez vous en souvenir, est-ce que vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy a été notre président pendant 5 ans? Oh là là, connerie nationale. Et aujourd'hui, qui dirige le pays? François Hollande. Oh là là, connerie internationale. Oh là 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 là. Il faut voir qu'il donne. Il y a eu des incidents aussi, peut-être vous en souvenez pas, mais je suis obligé de tout vous raconter alors maintenant, puisque vous revenez à la vie parmi nous. Vous avez eu des contraventions pour conduite en état d'ivresse, et vous avez même, je suis obligé de vous le dire, uriné dans une bouteille au cours d'un voyage en avion. C'était bouteille plastique ou bouteille verre? Plastique. Je me disais aussi tisane pas très très bon. Maintenant que vous avez pris conscience de vos dérapages, vous comprenez pourquoi le départ d'un de nos plus grands acteurs, parce que vous êtes un de nos plus grands acteurs, a déchaîné les passions. Parce que ici, je suis un grand acteur, ici aussi, j'avais complètement oublié. Oui, vous êtes un de nos meilleurs acteurs.
Mais je suis un acteur connu ou acteur Toretto. Vous êtes très connu, vous avez une filmographie, il faut le dire, incroyable, éblouissante. Vous avez tourné, joué avec les plus belles actrices, les plus belles femmes. Ah bon, qui par exemple? Bah, dernièrement, il y a eu Isabelle Adjani. Adjani, comment elle est déjà? Bah, on a une photo d'Isabelle Adjani. Ah oui, alors attendez, je vais noter. Beaux cheveux, beaux yeux et Botox. Gérard, votre départ a provoqué une hémorragie. Cette semaine, c'est une autre grande comédienne, à cause de vous, qui a menacé de quitter la France pour s'installer en Russie. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot? C'est qui elle déjà? Ben, vous avez vraiment tout oublié. Là, voilà, c'est une photo là de Brigitte Bardot. Elle a tourné dans Dieu créa la femme. Parce que Dieu, il a créé ça? Alors il est encore plus bourré que moi. J'ai honte. Maintenant que vous êtes sobre, Gérard, vous allez pouvoir revenir en France. Vous revenez chez nous. Ben, c'est au public de décider. C'est dans ou c'est pas dans? Ouais, j'ai pas entendu. C'est dans ou c'est pas dans? Alors je reste. Mais c'est peut-être une connerie pour vous. Vous pouvez applaudir Jonathan Lambert, qui sera bientôt au théâtre Marigny, avec ses perruques et ses déguisements. Gérard Depardieu en exclusivité sur notre plateau ce soir. Merci à Jonathan Lambert et à cette troupe magnifique de danseurs qui l'accompagnaient.